Et ouais les copains, attention, Hellfest Session, c'est parti, on allume. Yeah, Marcus est dans le show, Fernando est dans la place. Yeah. We're gonna rock, we're gonna roll, welcome to Fernando Rock Show. Ouais les mecs, Hellfest Session, ils sont juste derrière moi. On est sous un cagnard d'enfer, il fait au moins 60 degrés. Et je suis allé acheter un gros brumisateur, c'est comme ça qu'on dit, un gros brumisateur. Les 6.33, yeah, ouh. Attention, les plus cintrés de la scène, ils sont avec moi. Tu nous as manqué, ça fait longtemps. Toi et moi, on nous a fait un réglé, tu t'en souviens? Je me suis fait un petit piercing pour être tendance. Bon, on va faire court parce que commence à faire chaud. Nouvel album qui est sorti. Est-ce qu'on en parle ou pas? Ah bah si tu veux, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Moi je ne connais pas, je n'écoute pas ce genre de musique un peu barré entre Face No More et Tagala Twinda, le truc, c'est too much, vraiment créatif à mort, créatif à bloc, des idées. Alors là, toutes les 10 secondes, il y a une idée, mais pas toutes les 5 secondes. Florent, je te laisse la parole. Alors écoute, t'as très bien décrit le truc, hein. C'est une sorte de mélange de plein de styles différents. Ça va de du Townsend mélangé avec du Ennio Morricone, Danny Elfman, avec un peu de Mike Patton, enfin voilà, tout un bordel. Tu retrouves du Michael Jackson, du Queen, enfin voilà, tout ce qu'on aime. Voilà. Mélangé dans un truc un peu improbable qui sort de sa tête. Voilà. J'ai quand même une question, pourquoi? Eh bah parce ça vient d'où ce truc-là de faire des mélanges improbables de... Eh bah parce qu'en fait, on avait envie de mélanger un petit peu tout ça. Tu sais, quand on a lancé le groupe, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait que du métal? Et puis finalement, on s'est rappelé que on aimait plein de choses quand on était gamin. Ouais. Et puis on s'est dit, allez, c'est quoi? On va tout mettre dedans. Si ça passe, c'est cool. Si ça passe pas, voilà, on l'aura fait. Mais t'arrives quand même à conjuguer vraiment des trucs qui sont à l'opposé, quoi. C'est vrai. Bah, c'est vrai, il me dit c'est vrai. Ah ouais, mais le mec, il vient là, sous un cagnard d'enfer, me dire c'est vrai. Mais ça vient d'où? T'étais gosse, d'accord, mais pourquoi? Eh bah parce que... Aujourd'hui, tout le monde est formaté, quand je reçois un CD, tout le monde a le même son, tout le monde a les mêmes trucs. Justement, nous, on évite de se poser des questions, tu vois, et on fait une musique qu'on a envie de faire, et... Et pour les gens, les auditeurs, des fois, ça paraît un petit peu étrange. C'est surnaturel quand même. Peut-être, je peux. Mais pour nous, c'est naturel en fait. Tu vois. Et comment vous y retrouvez? Il y a des partoches pour le batteur qui est là, parce qu'après, on va le taquiner un peu. Vous lui écrivez tout. Il y a des relevés comme chez Zappa. Non. Ah si, il y a des relevés comme chez Zappa. Je suis désolé. On travaille en essayant de rien oublier. Voilà. On bosse. Et mais vous répétez comme des forçats ou alors c'est one take sur les stages? Comment ça se passe quand c'est live? Non, on bosse, on travaille. Hein. Ça a pas l'air comme ça parce qu'il pleut et qu'on boit de la bière et qu'on a un peu de bide à cause de la quarantaine. Ah non, mais j'ai pas dit ça. Oh là là, loin de moi de porter un jugement sur le. Florent, il est tanké quand même. Et 6.33, je vous souhaite. Pour ceux qui connaissent un peu le show, c'est pas la première fois qu'ils viennent, mais. Cette année, ils viennent avec une nouvelle recrue. Approche de la cam, cadre-toi un petit peu. Voilà. Présente-toi, vas-y, cadre-toi bien. Je me cadre bien, fais voir. Tu me vois là, c'est bon? Donc le nouveau batteur qui est là, le nouveau martyr, on va appeler ça comme ça, des 6.33, il est juste là. Et c'est rare parce qu'avant, il y a quand même pas mal de machines. Mais il n'y avait pas de batteur. C'est ça. Et là, vous avez pris de la bidoche avec ce qu'il faut. Retard à la répète, casse-couillerie. Non, le mec est là. C'est une machine. C'est moi qui ai le plus de matos, hein, ça c'est sûr. Le mec est une machine. Je t'ai vu, alors, petit aparté les garçons, je l'ai vu en vidéo. Le mec, c'est n'importe quoi, quoi. Il y a des plans, mais il n'y a pas de boulot derrière, c'est inné ou quoi? Si, quand même, il y a du boulot. C'était compliqué, tu sais. 11 minutes de morceaux. Fallait se le torcher quand même. Hein. J'ai vu un morceau court hein, pour 6.33, c'est court le format 11 minutes. C'est le single. Et comment tu fais pour apprendre tout ça? Tu écris, tu relèves ou alors c'est Florent qui te dit tiens, joue comme ci, ou alors il te laisse carte blanche? Il me laisse carte blanche, mais je reste fidèle à ce qui a été fait et j'ai écrit quand même un petit peu sur 2-3 plans, oui. Ouais. Mais sinon, tu bosses bout par bout et t'avances comme ça, et puis après, t'essayes de tout faire d'un coup.
Parce qu'à un moment donné, le morceau va peut-être falloir le jouer, tu vois. Attends, je vois avec les boss plans. Faut savoir que c'est le seul qui a fait le taf, en fait. Tu vois, on a fait les auditions, il y en a pas un qui arrivait à la chute du gars. Bah ouais, ça, donc voilà, on a pris. Et il se trouve que c'est un bon camarade qu'on connaissait en plus d'avant, donc voilà. D'accord. Il nous manquait celui-là, et voilà. T'as eu ta place au piston, mon pote, hein, je te le dis. Ah bah écoute. Il en a sucé des bites. Bon, ouais, ça, c'est... Bon, les garçons, on s'approche de la caméra, là on est sérieux. Est-ce qu'il y a après cet album est bien accueilli, j'imagine, par la presse spécialisée. Est-ce que vous êtes quand même des extraterrestres un peu de la scène métal, on va dire ça comme ça, métal rock. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a du booking dans l'air un petit peu. Alors, il se trouve qu'on a quelques dates. On a le Cap Fest dimanche prochain. Le Cap Fest. On a le Faire-toi Fest le 10 Fest. Septembre et le Mency Fest. Le Mency Fest. Le on 17 y sera, septembre. On y sera, voilà. Écoute, ça va être la date où on va mettre tout ce qu'on a. Tu vas mettre enfin, comme d'habitude, je vais pas te mentir. Hein, voilà. Donc, tu voilà, vas mettre la guerre ou pas? Ah ben, je sais pas faire autre. Enfin, je fais ce que je peux. Alors, 633, je résume sur scène. C'est 12 pupitres avec des partitions partout. Il n'y a que des séquences, c'est que du playback. Vrai ou pas? Rien n'est joué pour de vrai. Rien n'est joué, voilà. C'est une espèce de scène théâtrale. Voilà, je sais même pas si j'ai toutes mes cordes sur l'instrument. Non, parce que c'est moi qui chantais sur l'album, en fait. En fait, je crois qu'il n'y a personne qui chante sur l'air. Arrête de déconner quand même. Je sais que c'est pas moi qui jouais, ça c'est sûr. Bon les gars, le gros coup de foudre sur le festival du Headfest, vous attendiez quoi? Vous allez voir quoi? Vous avez vu qui? Alors bon, moi j'adore un groupe qui s'appelle Dirty Shirt. Dirty Shirt collectif un peu d'Europe de l'Est qui mélange exactement tout. des vrais descendants de Black Drac. Ça me rappelle un peu un groupe qui s'appelle 633 dans l'esprit un peu. Il s'avère qu'on s'est rencontrés il y a des années, on avait ouvert pour eux quand ils commençaient à émerger un peu sur Paris et on a gardé le contact et c'est des mecs super. Mihail est un mec génial et puis le groupe est super, voilà, donc et on a pris une claque, enfin moi perso j'ai pris une grosse claque il y a quelques jours. Ils arrivent à faire sonner 28 pélos en même temps, enfin voilà, c'est un gros challenge. Et puis sinon bah on va quand même voir Guns N' Roses et Metallica, tu vois, c'est quand même. Ouais bon d'accord, mais Igor. Zillan Order. Hein? Zillan Order. Je sais pas. Voilà, c'est un ça c'est tu kiffes ça. Mais je trouvais ça pas mal, plutôt d'accord, intéressant. Okay, voilà. Pas de problème. Et toi t'as envie de dire un truc? Killing Joke, j'ai bien kiffé. Et Nine Cheese Nine. On a changé le nom, Nine Cheese Nail. Moi j'ai trouvé, ils ont attaqué dans le lourd. Hier ils étaient énervés les Nine Cheese. Ah non, ils rigolaient pas, ouais. Ça rigolait pas des masses. Ils rigolaient pas. Mais voilà, Dirty Shirt surtout, moi voilà, c'est mes préférés. Ok, c'est noté. Ah, moi j'ai loupé Nine Inch Nails, du coup je suis dégoûté parce qu'il flottait trop hier, c'était relou, c'était chiant. D'accord. Tu vois, voilà. On a une chochotte chez 633, voilà. Bon, on fait ce qu'on peut. Voilà. Voilà, il y en a toujours un qui est pas waterproof, tu vois. Le groupe est équilibré. Voilà. Bon les gars, c'est super d'être passé avec nous un peu dans le show. Hein, on se met de la musique dans le fond du show des 633. Il y a une tradition dans le show, faut absolument qu'on gueule. Rock and roll, tu connais ça? Eh oui. Attends, pour une fois que j'ai un batteur qui sait lire à l'envers les partoches, il va me faire le décompte. Vas-y. 3, 2, 1. Rock and roll! 633, nouvel album, allez jeter une oreille, soyez curieux. Et là, vous ne serez pas déçus, il y a à manger dedans. Allez, coupe la cam. À bientôt les garçons, on se retrouve bientôt. Ciao!